Mbote bisika bozali bokolanda beto ngonga yayi bozali na Congo Central tolobi matonzi mingi na ba kongomani nyonso bake kolanda biso boponi Congo Live Television pona kopesa bino ba sango ya makambo oyo koleka na kati ya mboka na biso tolobi matondo mingi na bato oyo nyonso baye mukulu mwalelo poke tokabela bango ba sango ya makambo ya sika oyo ezali koleka sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan ya développement ya mboka na biso diplomatie nini bakote kuna bato bazokumba mboka na ngambo kuna balobi nini likambo oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Bokozala boza musika, bozali na diaspora, bozali na ba différentes provinces, mutuna mutu bisika azali. Mais le plus important eza kozala na information oyo ya makambo ekoleka. Na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo, yango eza na tina. Na mukolo mwalelo tokolobela likambo oyo boyokaki depuis un certain temps babandaki kolobela biso. Oyo ekobenga ma diplomatie na processus a Luanda. Bakongole ebele bakomi tuna ba mituna kolobela likambo oyo ezoyokama kote kuna bakonzi ya mboka basemble ko privilégier mingi approche diplomatique plus que approche militaire. Est-ce que likambo oyo bakolandela kuna ekofuta? Est-ce que likambo oyo tokoyoka ke lobby to lobby kuna bakozwa makoki, bakozwa mpifo, bakozwa mwaye oyo bakosala pour imposer, pour vi ke Kagame atika ba hostilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que toza na tina ya kotila yango likanisi? Est-ce que toza na tina lelo ya kotila processus ya Luanda motema et que totala ba processus mosusu lokola ezo simbate et que moko wana nde totia liboso pour vike tosili sa bitumba. Nini oyo eza ko continuer kuna? Nini oyo bazolinga bayebisa biso te? Nini oyo likambo bako bomba sima ya approche diplomatique wana? Pourquoi mingi bakonzi ya mboka lelo bakomi bomba sima ya approche diplomatique wana? Nini oyo bazosala ya sika oyo totikana nokosala jamais na kati ya mboka na biso pour que to obtenir paix d'une manière durable lelo? Nini oyo bango tour oyo bazo sala différemment na oyo ba mosusu basala ki? Parce que c'est pas pour la première fois lelo to moni ke bakoti lisolo ya diplomatie. Kabila la fait Mobutu basala ki yango ba diplomatie sale makempe partout na kati ya mokili. Laura Désiré Kabila to lo bate yepe ya sala ki na ye lolenge na ye. Et ça maintenant tour à Félix Antoine Tshisekedi qui est le garant de la nation, qui est le président de la République. Et comme maintenant tour na ye, y'a que ça la diplomatie. Mais bango ba y'a Tshisekedi et ça sikoyo ba prioriser mingi approche diplomatique. C'est maintenant la question qui vient. Qu'est-ce que bango bazo sala? Nini oyo bango bazo sala mukolo mwalelo? Oyo eleki oyo nyonso ba oyo ba sala dira 30 ans. Parce que bitumba yango tozo sala yango ça fait déjà 30 ans aujourd'hui. Donc, il y a la 31e année, il y a que le Congo est agressé. Bitumba est signalé dans la carte de Mboka na biso. Nini diplomatie bazo sala mukolo mwalelo? Nini oyo bazo ko bomba biso simawana? Pourquoi ba insister tant na carte ya likambwana? On va découvrir ça tout au long de cette émission. Ba mituna nyonso oyo ba Congolais ba komi kabela mukolo mwalelo, ba Congolais bazo mituna mukolo mwalelo. Les Congolais se demandent pourquoi est-ce que ba konzi ya mboka lelo mingi ba ko kote la approche diplomatique. Na bisika ya mibale to na bisika mosusu tokolobela. Bisika mosusu tokolobela bitumba oyo yokamaki. Je vous ai encore dit ça ici hier que c'est depuis le dimanche, lelo toza jeudi. C'est depuis dimanche oyo bitumba eyokamaki et bandi lisusu na kati ya territoire ya Masisi. Selon les sources, ba sources na biso eza na kati ya ba zone wana. Balobi na bango ke bazali mukolo mwalelo bazali ko osunga pour vike makambo kende liboso. Selon ba sources oyo ezali na kati ya bisika oyo tozali, eza koloba eke ba FRDC
Bah force armée de la République démocratique du Congo. Ba kosa la mukolo mwalelo pour que bitumba esila na kati ya mboka na biso. Baza ko bundisa. Baza ko betana na ba rebelle du M23. Baza ko bundisa ba pe ko betana na ba rebelle du M23. Yambo ye mukolo mwalelo komituna. Likambo o ezo yokama bazongeli bitumba bazo betana na ba force ya Rwanda. Le lot sur le sol congolais. Lobi pe bitumba ezala ki signalé. Lolenge mosusu koyeba eke le lot biloko ezo salema. Ezo yokam. Biloko ezo salema. Eza ko sepesa bana mboka dans le sens que depuis dimanche mukolo ba bandi bitumba. Ba récupérer ba village ebele. Ba récupérer ba colline ebele. Ba tu ebele dans les rangs des rebelles M23 ba bungisi ba élu qui a na bango pe ba bungisi ba vie na bango. Et c'est dans le sens qu'on nous signalera et que il y a plusieurs militaires rwandais qui sont tombés sur le sol congolais na cou au cours ya ba affrontement wana. Il y a même 4 officiers na ra ya ba M23 oyo ba bungisa ki bomo ina bango. Tokozonga la pe mukolo mwalobi potoko yeba nini oyo esalema kilobi pour vike to gagner encore bitumba oyo si les lignes de front. D'abord oyo peut-être bazali na espace Kasai tolbi toi ça qui dit là bolula matulwe nu ku télévision wetu a Congo Live toi ça qui dit là boakusungula a boakumanya a malwa ezali kambo oyo toke ko kabela bino basango ya makambo oyo ekole kana kati ya mboka na biso. Depuis batte biso ko ebisa biso eke ezana approche diplomatique oba akomene mukolo mwalelo. Nini oyo ba bombi sima ya likambolie l'Italie mboka na biso. Pourquoi mingi mingi Tshisekedi na régime nae, Tshisekedi na gouvernement. Nae oyo ezali souminwa composé de 54 membres plus souminwa e moko ba komi 55. Bako talela approche diplomatique mingi mingi touroy. Je vous explique. Na ba diplomatie auto zaki ko sala. Ça c'est selon plusieurs analystes. Je ne suis ni même pas un porte-parole de Tshisekedi. Je ne suis même pas moko ya batu oyo. Et sengeli ba défendre ye, ba défendre. Ba eloko ya salaka. Mais toujours expliquer bino sur base ya ba analyse ya ba tout moko moko les experts na domaine wana. Ba experts na domaine wana ne ba analyse na bango. Ngana za porte-parole ya gouvernement soumino te mouya ya ela pour ça. Je ne suis même pas un porte-parole de Tshisekedi. Tina salama za wana pour ça. Mais toujours expliquer ka bino information oyo ya Luanda. Sur base, yaba eloko oye eko leka na kati ya mboka. Toujours expliquer bino processus à Luanda. Sur base yaba analyse, yaba analyste o baza kale na domaine wana. Qu'est-ce que ces analystes disent? Malobi boy, lolenge likambo eko salema na kati ya mboka na biso. C'est-à-dire, aujourd'hui bitumba ezo salema na République démocratique du Congo. Bitumba ezo salema dans l'est de la République de notre pays. Ezalaki koyebana mingi mingi batu bazalaki kosala biso bitumba ezalaki ba rebelle du M23 oyo bazalaki ko changer ba casquette, c'est-à-dire eza même équipe mais même équipe e changé kaka tenue. C'est la même équipe mais même équipe wana bazo changer kaka varese. Baye lokola ba F ba CNDP le lokuna baye lokola ba Afdel le lo baye lokola ba M23 lobi bakoya lokola ba AFC lobi kuna bakoya ba pakala pe songolo likambo o litali mboka na biso. Kagame te akize de soutenir les rebelles du M23 mais azalaki ko nier ke yende asunga ka ba rebelles du M23 lori la fali manière. Ya kondimisa Kagame que c'est lui qui nous agresse et ce n'est pas le M23 qui nous agresse. Parce qu'au sein de la rébellion du M23, il y a les Congolais plutôt
Et ça, ma Congolais, oh, ma bungi sa moutou. De brebis galaises. Batu oyo babunga lolenge wana. Il y a aussi les Rwandais parce que ba militaire M23 eza ba militaire rwandais. L'armée rwandaise qui opère au sein de la rébellion du M23 comme force militaire. Et les Congolais qui s'y trouvent opèrent au sein de cette rébellion comme l'administration. Maintenant, il a fallu que Serge Wana tolat sango kagame. Mais il a fallu aussi chercher une autre manière autre que ça là. Le lengue likambo ko salema pour que andima d'une manière ou d'une autre que yende asunga ka rebelle du 23 et que c'est lui qui se trouve directement sima ya ba rebelle. Et c'est comme ça bazaki ko déployer ba mécanisme nyo sur politique et kei. Ba matisi ba pion. Bah, matisse diplomatie et mati, jusqu'à ce que Kagame va se représenter comme le M23. Pourtant, l'autre fois, il s'est dit qu'il y a un M23 au lieu de Kagame. Mais selon certaines personnes, vie, diplomatie, ou le bâtiment qui n'a pas de bicycle, qui est là, et mati, jusqu'au niveau où. Kagame admet que c'est lui qui est le sponsor de M23. Le fait de représenter M23 signifie que c'est moi le responsable de la rébellion. Maintenant, déjà que Kagame admet, accepte que c'est lui le sponsor de la rébellion du M23, il faut maintenant savoir qu'est-ce que Kagame a lingi. Parce que déjà le fait de Kagame, Kondima, qu'on représentait par M23 dans des salons diplomatiques, selon plusieurs sources, c'est un pari gagné pour la RDC. Ça ne suffit pas. On ne va pas se limiter par là. Il faut que toi qui es mon sika, de savoir que veut Kagame, pourquoi Azalaga sur le sol congolais, c'est une grande question. Parce que depuis l'histoire de temps, il ne s'est jamais identifié comme c'est lui qui est. Sima yaba rebeliwana. Mais le fait que les lois dimi, que za yende za sima yaba rebeliwana, c'est une des plus grandes choses. Oh, et sengeli, ba Congolais batale la paix, mosika. Et c'est comme ça, nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau. Congo eko continuer li kambonango, Congo eko progresser, Congo eko accélérer pression. Maintenant, la question reste de se rencontrer avec Kagame. De dire à Kagame pourquoi est-ce qu'il a agressé Kabiso. Maintenant, ce niveau-là est causé là, soit il y a une solution, soit il n'y a pas une solution. Parce que selon les diplomates, Batu Oebako qui est représenté RDC, lorsque nous essayons de les approcher, il y a des avancées, Oezali, Yamakasi. J'ai même approché la première ministre. Moi, personnellement, tout le monde en a qui n'a eu. Et elle a signifié qu'il y a des avancées Oyo Ezo Salema dans le sens diplomatique. Mais l'option militaire n'est pas aussi exclue. C'est-à-dire, à un moment ou à un autre moment, où ça ne tue pas sur le plan diplomatique, on peut toujours faire recours aux voies des armes. Toko sa la recours nanzela ya minduki. Ça peut aussi se faire ainsi. Ici la question reste de savoir que veut Kagame, Kagame lukakanini, pourquoi est-ce qu'il a soutenir ba Congolais, pourquoi est-ce qu'il a soutenir ba Congolais. Nakati a rébellion nae, pourquoi est-ce qu'il est en train d'utiliser ces éléments pour tuer des Congolais. Ce sont des questions de préalable. Maintenant, il y a aussi des conditions pour que Bakoutana, c'est pas seulement Bakobengana, Bakoutani, non. Tokena qui n'a sens à Nairobi. Nairobi n'a pas pu gagner. Kumbawana. Union africaine l'obité, Tokosuke la Wanate, Tokende Angola. Et on a donné cette médiation à Joao Lorenzo. Joao Lorenzo, ouais, à quoi il s'abisso que, Ezali n'a pas avancé au réseau Salema. Seulement qu'il y a des problèmes. Ba parti sur le terrain, et j'en koto sa te, oye tozo loba, na ba salon diplomatique.
Je renseigne à certains, na ABC, bamoko. Lorsqu'on est en diplomatie, ils ont une partie où ils écoutent mutuellement pour discuter le préalable moko moko. C'est comme ça Bokoyoka, le ministre des Affaires étrangères, bazo kutana pour dialoguer, pour préparer le terrain, en fait que les deux présidents bakutana. Bien que au-delà de ça, l'information moko moko est fuitée, qu'on ne saurait pas confirmer ici. Si c'est vrai ou c'est faux, qu'il serait aussi vrai que les rebelles du M23 sont associés dans le processus à Luanda, qu'il serait vrai, selon certaines sources, selon certains médias. Oyo, nous, le gouvernement congolais n'a pas encore confirmé, c'est-à-dire on ne se fie pas trop, pendant que le gouvernement ne nous a pas encore confirmé cette information. On serait, c'est encore dans le conditionnel. Je ne confirme rien. Mais retenez que il y a le processus de Luanda qui continue. Et à ce niveau, vous personnellement, le processus de Luanda, est-ce que vous l'accordez des crédits? Pensez-vous qu'on aura une solution qui pourra imposer Kagame à cesser les hostilités dans l'est de la RDC? Pensez-vous, ça c'est vous, vous également qui regardez de près ou de loin ce processus de Luanda, quelle est votre pensée sur ce processus? C'était prévu que Bakutana les 9 et les 10, ça n'a pas tenu et on a reporté ça à ce 14. Bah, reporté en 14 Oyo, ne Bakutana, c'est-à-dire samedi Oyo, Oya lobby. Après demain, Bakutana pour en parler encore de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les deux ministres et les deux délégations venus de la RDC et venus aussi de la République du Rwanda, bazokutana au niveau de l'Angola pour qu'on discute ba préalable, qu'on prépare ba cahier de charge avant que les deux présidents bakutana au niveau ya Rwanda. La partie Est de la République démocratique du Congo est désinstabilisé par l'action de nombreux groupes armés, notamment les M23 qui occupent actuellement une grande partie de la province du Nord Kivu, à l'est de la RDC, grâce à l'appui du Rwanda. Malgré les cessez-le-feu en faveur depuis un mois, les troupes rwandaises restent déployées sur le sol congolais. Et la paix est loin d'être rétablie dans cette partie de la RDC. Pendant ce temps, la médiation angolaise pousse pour trouver un accord de paix entre la République du Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre qu'une nouvelle réunion ministérielle entre le parti congolaise et rwandaise est annoncé pour ce vendredi 14 septembre à Luanda. Cette nouvelle rencontre aura pour objectif de faire avancer les plans de neutralisation des FDLR et des retraits de troupes rwandaises sur le sol congolais. Kokutana ya ba ministre rwandais kozala avant préalable que bakutana les deux présidents basulula. Selon bango ya deux choses au Sénégal et Salema. D'une manière parallèle. De l'autre côté, neutralisation à FDLR, qui, selon Kagame, représente une menace. De l'autre côté, retrait de militaires rwandais sur le sol congolais, qui, pour la RDC, ne pourra jamais dialoguer avec Kagame aussi longtemps ces belligérants, ces militaires congolais se trouvent sur le sol, ces militaires rwandais plutôt se trouve sur le sol congolais. Pensez-vous que l'Angola va pouvoir gagner cela? Estimez-vous que cela va se faire? À vous le choix, commentez dans la barre de commentaires. Alors nous allons finir par ici, on finit par ici les dames et messieurs, c'est par ici que nous allons mettre à terme notre information. Sur base de ça, nous allons finir. On finit par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo.
Quelque chose à signaler ici, à part ces affrontements qui ont été entendus dans les territoires de Masisi. Des combats ont éclaté ce mercredi matin entre les rebelles du M23 et la milice locale d'Iwazalendo dans les villages de Sissa et Rubona, situés à moins de 4 km de Kizimba, dans les territoires de Rutshuru. Selon des sources locales, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans la zone, ont été entendues, alors il faut les signaler dans la zone. La situation a s'est passée dans un mauvais état, c'est-à-dire la situation de ce village et les cas qui sont en mauvais état toute la journée. Une chose qui a même provoqué les déplacements de la population civile de ce coin dans les territoires de retour. C'est-à-dire, aussitôt que les combats ont été signalés à Masisi, les combats ont été également signalés dans les territoires de retour. Je vous ai dit ici également que c'est ce que le peuple entendait depuis longtemps, c'est ce que les personnes entendaient depuis longtemps, c'est ce que les Congolais entendaient depuis longtemps, de voir que les deux fronts soient équilibrés, c'est-à-dire le front militaire et le front diplomatique. Le temps que nous menons la diplomatie, ça doit être le même temps que nous faisons aussi la guerre, pour être équilibré, pour vu que Kagame azwa makoki, azwa mpifo, oyo, à côté la biseau sur la table des négociations. Voilà donc Tozana Soukayamana Kanabiso, c'était un plaisir. Et Koyeba Kiboyala qui est belé sur Congo Live Télévision. Les dames et messieurs, tout le monde, Matondi Mingi Bisika Abozali, Tozo souhaité bino bonne journée. Pekotale la Amakambo Oezo, Kolekanaka Je vous remercie personnellement, Koyeba Kiebo, anticipé, Namanaka Oyo, Okomi abonné, Oko commenter, Oko partager vidéo et que ça la moi bien. Bonne journée chez vous et à demain pour d'autres actualités.